Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Encore un petit live, me dit-on sur Facebook. Oui, tout à fait. Tout à fait. On aime bien ça, donc. Coucou Kayas de Twitch. Je stream encore sur Facebook et Twitch en même temps parce que c'était pas mal hier, donc on continue. Dites-moi si y a un problème de son, si on m'entend bien, si voilà, confirmez-moi tout ça, mais a priori je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci 4W Illustrateur pour le follow. Ok, on m'entend bien, parfait. Bon, comment allez-vous en ce dernier vendredi avant le déconfinement? Je bosse pas donc ça va. Mais parfait, très bien. Donc toutes les conditions sont réunies pour être tranquille, en train de chiller devant un Twitch. Tout va bien. Bon, j'attends un peu, hein, 1 ou 2 minutes, et puis après on s'y met. On a une colorisation à terminer. Moi, comment ça va? Ben, ça va très bien, ma foi, hein. C'est vendredi, j'avais envie de terminer ce dessin, déjà. J'arrête pas de trouver des idées pour des prochains streams. J'ai quelques idées. Je suis passé, alors, il y en a qui ça parlera pas, mais je suis passé affilié sur Twitch. Ça veut dire que j'ai des options supplémentaires pour faire des lives. Donc, mais déjà, j'ai enfin l'option de vote, la vraie, la seule, celle qui va fonctionner. Je vous jure que ça marche cette fois. Je l'ai testé. Enfin, je l'ai testé. Donc, il n'y a plus aucune raison que les sondages, les votes ne fonctionnent plus. Voilà, pour faire des votes. Et donc, il y a ça. Il y a le fait que maintenant, alors après, c'est aussi des options pour qu'on me fasse des dons. Pour recevoir des dons, en fait. Donc maintenant, il y a une petite icône sur Twitch à côté du chat, enfin pour envoyer un message, il y a une petite icône en forme de diamant. C'est la monnaie de Twitch, les bits. Donc s'il y en a qui ont des bits sur Twitch, la monnaie locale, ils peuvent en envoyer par smiley en fait. C'est comme un smiley, sauf que ça envoie de la monnaie locale. Voilà, c'est pour soutenir les artistes dans leur production. Tant qu'on en est au soutien, au don, vous pouvez aussi le faire via les panneaux Twitch en dessous de la vidéo. J'ai une page de don, donc s'il y en a qui veulent me soutenir financièrement pour que je puisse, par exemple, acheter une nouvelle tablette, encore mieux, qui coûte une blinde, ben voilà, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre, cette affiliation? Bon, toute une, je crois. La page Twitch ressemble à quelque chose. Je pourrais faire une bande-annonce pendant que je suis pas connecté. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a tout plein de choses. Je connais pas encore tout, mais voilà. Voilà. Et oui, il y a les. Voilà. Alors, merci Crystal Warrior Illustrateur. Allez suivre sa chaîne de suite. C'est aussi un illustrateur. Hein. Il fait beaucoup d'ornithorynques étranges. Salut Starskit. Bienvenue. Re-bienvenue. Installe-toi. Oui, donc il y a aussi les subs, donc en fait c'est les abonnements. C'est des abonnements. Vous pouvez suivre la chaîne comme la plupart des gens le font là, mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Donc c'est pour quelques euros par mois, je crois, une bêtise comme ça. Et ça permet. Et moi je reçois une partie, un pourcentage de l'abonnement. Donc ça c'est une autre manière de soutenir effectivement les artistes. Merci pour le like, Mazino. Ensuite, il y a les. Oui, bah oui, les emojis.
Si vous faites un abonnement, donc un abonnement au lieu de juste suivre le compte, vous aurez droit à des émoticônes spéciales. Et les émoticônes spéciales, ouais, il y a les abos ici, Docteur Gugus. Salut Belzar en BD! On a des gens qui dessinent qui sont là, hein. Belzar en BD aussi qui fait plein de BD sympas. Faut aller suivre, il est actif sur Twitter, allez le suivre. Voilà, donc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, si vous vous abonnez, donc l'abonnement premium à la page, vous aurez des émoticônes que je vais faire, que je compte faire dimanche en fait. Demain ou dimanche, je sais pas, mais on fera des émoticônes personnalisés qui pourront être utilisés que par ceux qui ont un abonnement. Voilà. Et il y aura tout plein d'autres choses. Il y a des badges, les petites choses que vous avez à côté de vos pseudos sur Twitch. Là, il y a des badges d'abonnés. Il y a aussi, il y a aussi un son que vous pouvez déclencher. Normalement, il y a un bouton dans le chat de son. Je ne sais pas comment on l'utilise, mais il y a un bouton qui déclenche quelque chose, qui déclenche un son particulier. Vous pourrez le découvrir qu'en utilisant la monnaie locale, les bits. Voilà, si je l'ai bien programmé. C'est nouveau d'aujourd'hui les abos, oui, enfin de hier en fait. Je l'ai pas dit hier parce que c'était Clara qui est là, qui était là à dessiner. On avait autre chose à faire honnêtement que parler de ça. Non, ouais, c'est depuis hier en fait que vous pouvez vous abonner. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles. On monte, on est bientôt à 100 follow. Je crois que Crystal Warrior, tu étais le 99e si je me trompe pas. Qui sera le centième? Qui sera le centième à me suivre? Eh ben, j'en sais rien. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement à continuer ça. Je voulais être le centième, j'ai raté. Et ouais. Du coup, on sait pas du tout qui ça sera. Donc, si vous êtes sur Facebook, venez me suivre sur Twitch. Appuyez sur le petit cœur pour marquer suivre. Vous serez le centième ou la centième. Et je sais, vous n'aurez absolument rien à part une ovation de la part de tout le monde, du chat, de moi, des oiseaux, tout ça. Alors, avant de commencer, je vais changer cette musique parce que j'ai l'impression d'être dans un mauvais nightclub espagnol. Hop. J'ai rien contre les nightclubs espagnols, hein, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est tout le temps la même musique qui revient là? Mais c'est pas possible. On va y arriver, on va y arriver. Hop, c'est juste la playlist YouTube qui tourne en rond. Ok. Ça fait très musique de tuto YouTube. C'est parfait. Vous me direz quand vous en aurez marre de votre dose de ukulélé habituelle. Attends, je unfollow et j'attends. Tu unfollow pour être le centième. Ok, ça va se battre. Boucle temporelle de la musique, ça y est, j'ai décoincé. Alors, je voulais faire battez-vous pour être le centième, sachant que vous n'aurez absolument rien en retour. J'aime juste juste cette notion du combat et de la compétition, c'est beau, c'est beau. Ok. Alors, notre papy, notre Norbert Tremblepied, je rappelle que ce nom avait été choisi par une lectrice, il me semble. Elle avait un nom en A, un joli nom. Rosalia, un truc comme ça? Bon, bref, elle n'est pas là pour l'instant, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'était quelqu'un, l'une d'entre vous, qui avait proposé Norbert Tremblepied. Et je trouve que ça lui va très bien. Alors, aujourd'hui, on essaye de la finir. Le but, c'est de finir avant 18h, bien avant même. J'aimerais bien le finir en 2h grand max. On va voir. Il y a déjà beaucoup d'abonnés. En tout, on est 99. Bah, sauf si vous êtes des abonnés pour vous réabonner plus tard. Donc, a priori, on est 99 sur Twitch. Sur Facebook, on est bien plus. On est quasiment 6000, mais c'est pas la même chose. Ouais, comme des cons, on va lui faire baisser les follow juste pour être le centième. Oui, si tout le monde fait ça, on n'y arrivera jamais. Forcément. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Voilà, je rappelle, avant de commencer, je rappelle que, donc, demain... Ah oui, les vrais abonnements, bah, il y en a zéro. Hein. Les vrais, oui, pas les follow. Ouais, on va être clair. Les follow, c'est de me suivre gratuitement. Et les abonnements, faut payer un petit pécule. Et vous avez accès à plein de choses sympas. Donc les follow, j'en ai zéro. Il me semble. C'est ça. Zéro point d'abonné, je crois. Oh, bah, premier abonnement de Dr Gugus, c'est très gentil. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous êtes sympa. D'ailleurs, le.
Je n'ai pas le chiffre, non, je l'ai juste, je l'ai pas sur mon tableau de bord, là, je l'ai juste sur ma page Twitch, hein, le nombre de follow, d'abonnements, pardon, faut que je m'y fasse. T'es le premier, hein, je crois. Hein. Il me semble. Bon, j'arrive pas à voir là de suite, mais voilà. Il se peut que j'offre plus tard des abonnements si ça me chante, plus tard, on verra. On verra dans les prochains lives. Donc, tant que j'y suis, voilà, je vous annonce la suite et je vous réannoncerai à la fin. Demain ou après-demain, je commence les émoticônes Twitch, donc pour que les abonnés puissent avoir des émoticônes personnalisés. Pour l'instant, c'est pas le cas. On les fera ensemble, du coup. Et la semaine prochaine, on va tenter de faire une BD tous ensemble, vraiment du début à la fin, en partant de la page blanche. Je vais essayer de me connecter chaque soir à partir de 17h pendant 2 heures. Et on essaiera de créer tout un scénario, d'abord le scénario, puis ensuite les personnages, et ensuite la BD. Enfin, en gros, avec vos idées. C'est-à-dire que voilà, ce sera une BD collective, participative, et j'ai envie de voir ce que ça donne. De grand max, une dizaine de pages, hein, on va pas. Donc, une dizaine de pages, ça ferait 60 cases à peu près, un truc comme ça. On va voir. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça peut marcher. Ce sera un stage BD collectif pour tout le monde. Voilà, donc je compte sur vous pour être là à ce moment-là. Ce sera probablement. Je sais pas si ce sera sur Facebook et Twitch, je verrai. Je verrai. D'ailleurs, j'aimerais me lancer un jour sur Twitch. Ils prennent un gros pourcentage sur les. Je ne sais pas. Je suis débutant. Je ne me suis pas encore renseigné, honnêtement. Ouais, non, j'apprends petit à petit, honnêtement. Les gens viennent me dire les choses. J'essaie de consulter un peu les articles qui en parlent. Je suis pas encore très calé sur les pourcentages de machin qu'on touche, quoi. Donc, voilà. Voilà. Bah, de toute façon, ils prennent 60%, visiblement, me dit Crystal Warrior. Donc, 60-40. Bah, écoutez, je vérifierai. J'irai me renseigner. J'en sais rien du tout. Et moi, ça me dérange pas du tout de partager ce genre d'infos. Je m'en fous de parler de fric. C'est pas un problème. Ok. Alors, on va commencer. C'est parti. On va d'abord bosser un peu l'arrière-plan de notre vieux. Hein. Je vous rappelle que c'était un défi pour. C'était le 3 mots, un dessin, c'est le jeu que j'aime proposer ici. C'est-à-dire que vous m'aviez donné 3 mots, qui étaient charentaise, bazooka et accordéon, et on en a fait un dessin, donc voilà. Et maintenant, on passe à la couleur. C'est un jeu qu'on fera régulièrement ici, je pense. Parce que c'est quand même fort sympathique. Tiens, j'ai testé une nouvelle broche qui m'a été recommandée par Clara pendant son live. Enfin, recommandé. En tout cas, c'était le dernier broche qu'elle a utilisé et il était rigolo. Un broche qui ressemble à une éponge, comme vous pouvez le voir. Hop. Et il est. Alors, les particules fines comme ça fait ramer. Regardez, regardez comme ça lag. Kayas, j'aime ce jeu. Oui, moi aussi. C'est un des premiers jeux dessinés que j'ai fait. Alors, je vais vous raconter l'histoire, mon histoire sur Internet, si vous avez le temps, hein, si ça vous dit. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur les Internets vers 2005, et j'y connaissais rien. Et un des premiers jeux que je suis allé sur un forum qui s'appelait Infrazine, où c'était un fanzine, où tout le monde dessinait de manière amateur. Et voilà, je me suis fait une bande de copains là-bas. Et donc, on jouait souvent à ce jeu. C'était les défis de dessin. On choisissait 3 mots. D'ailleurs, c'était Jean qui donnait les mots, hein, comme j'ai fait avec vous. Et on faisait. On était 2 ou 3 à faire un dessin sur ces mêmes mots. Donc, c'était un peu un battle, quoi. C'était vraiment. Ouais, c'était carrément même un battle de dessin. Et voilà, on s'amusait beaucoup à faire ça. Ensuite, on votait pour notre dessin préféré. Et rien vous empêche d'ailleurs de prendre les mots que j'utilise et d'en faire un aussi. Hein. Je pense que si vous faites ça, vous me l'envoyez en suivant sur Instagram ou Facebook ou Twitter et je vous repartagerai, je vous retweeterai ou je vous mettrai en avant sans aucun souci. Au contraire, ça me fera bien marrer. Mais on verra ça pour les prochaines fois. On essaiera d'en faire un machin plus collectif peut-être. On verra. Voilà. Donc pour l'histoire de ce petit défi. Et donc, ouais, voilà, c'était l'époque des fanzines où j'ai rencontré plein de monde. On était venu me chercher au début, j'étais sur un site de BD amateur qui s'appelait BD amateur. J'avais déjà dit ça, mais. Et voilà, on était venu me chercher pour que je participe à ce fanzine. C'est grâce à ce fanzine que j'ai été exposant à la Japan Expo une année. C'était l'année où il y avait Dorothée. Malheureusement, j'ai pas pu la croiser. C'était assez formidable d'être exposant à la Japan Expo. Voilà pour la petite histoire.
J'ai bien envie d'essayer. Alors, ouais, on va essayer de préciser les lumières sur notre pauvre Norbert là, qui est encore un peu fade. Mais j'ai envie de tester des choses. Je ne sais pas encore comment, ni voilà, il est comme ça. Ok, on va tester de nouveaux reflets. T'as plusieurs de mes dessins encore sur ton Wall of Fame. Ah bah oui, mais toi on s'était vu au Widou BD, non? C'était à Paris, au Festiblog. Alors là, je vous montre mes calques. Voilà, pour que vous puissiez voir que pour l'instant, on en est à ça. Donc là, c'est juste l'aplat qu'on avait fait au départ. Hein. Hop, je vais vous montrer. Ça, c'est l'aplat bleu, en fait, par-dessus lequel j'ai rajouté le pantalon. J'ai rajouté aussi le pull et les chaussures. Le visage. Les détails du visage. Donc, ça, c'est les yeux et moustaches. Le bazooka. La peau. Ça c'est un effet d'ombre, un premier effet d'ombre, les reflets, et là je m'apprête sur ce dernier calque que je viens de rajouter, le calque 12, on va mettre reflet 2, le retour. Voilà, donc ça pour l'instant c'est mes calques. Oui, on s'est croisé plusieurs fois, oui, c'est vrai qu'on s'est croisé plusieurs fois, il y avait aussi une fois dans un bar à Paris, je me souviens, mais ça remonte, ça remonte. Ensuite, les nuages, vous voyez le calque des nuages, voilà, il est pourtant là et on va faire des reflets dessus. Et là, il y a quelques calques de fond, celui-là dont je ne me sers pas, donc je vais l'enlever. Et le calque de lumière, et voilà. Voilà pour les coulisses de la conception et de l'organisation de Photoshop. Ouais, j'avais organisé une petite rencontre dans un bar. Ouais, on avait été une petite dizaine quand même, hein, c'était cool. Ouais, je suis sur Photoshop, ouais, toujours. Je ne lâcherai jamais Photoshop. C'est Photoshop qui me lâchera. Qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ça y est, j'ai oublié. Ah oui, les reflets. Hop là. Alors. Je mets du temps à commencer hein, parce que je cherche un peu, je cherche mes marques là dans le dessin. Se remettre sur un dessin, c'est toujours un peu. Voilà, donc on va essayer de faire comme ça. Alors là, je fais des ombres très très grossières, hein, c'est fait exprès pour après les préciser. Plus ça va aller, plus on va préciser ces ombres. Ah, vous avez peut-être entendu la musique du port USB qui. D'un port USB qui s'enlève ou une bêtise comme ça. Le petit pelum. On va mettre une lumière tamisée. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Ouais. C'est bof. On a entendu. Donc voilà, bah, vous entendrez si j'ai des périphériques qui se débranchent et se rebranchent tout seul. Parce que là, clairement, j'ai rien touché. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on va le mettre comme ça, lui. Et on va tenter une ombre aussi plus prononcée derrière. Alors pour les ombres, en général j'essaie de prendre du violet. On va prendre du violet comme ça. Merci pour le like, Geoffroy. Oh, Geoffroy, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Geoffroy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est du Québec. Bonjour, Geoffroy. Comment vas-tu? Salut le long pseudo que j'arrive pas à lire. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le like. Ok, donc là, hop, je me rends compte que j'ai pas fait de reflet. Ouais, cette musique me sort par les oreilles. Je vais devenir fou. Pourquoi je fais que tourner? Qu'est-ce qui se passe? On va.
Voilà, j'ai mis une playlist, donc toujours libre de droit, hein, qui s'appelle Musique Joyeuse, mais maintenant faudrait qu'elle se joue en fait, au lieu de répéter tout le temps les mêmes musiques. Ok. Tuto la compile. Ouais, non mais un jour on y arrivera, hein, j'y arriverai à faire des playlists correctes. Alors. Allez, on s'y remet là un peu, c'est parti. Là déjà, les reflets commencent à prendre forme un peu. Mais même celle-là, cette musique, elle est insupportable. Mais qu'est-ce que c'est que cette playlist? Je vais essayer de mettre la suivante. J'ai l'impression qu'on est coincé vraiment dans quelque chose d'horrible. Non, non, mais... Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Aidez-moi. C'est un enfer. C'est un enfer. Mais pourquoi il me fait ça, YouTube? Enfin, c'est une playlist, normalement c'est censé suivre les musiques à la suite. Je veux bien être vieux et âgé et incapable de me servir de YouTube, mais quand même. Ne partez pas, restez, hein. Ça va pas rester comme ça tout de là. Écoutez, je vais changer de playlist, hop, je vais aller lire. Hop. Je vais remettre la même que la dernière fois. Je sais même plus ce que c'était. Musique inspirante. Allez, on se sent inspiré aujourd'hui. Etartu Goril Igbabir. Ce pseudo est formidable. Alors, merci pour le like, Elisabeth. Merci beaucoup. Écoutez, on va mettre quelque chose d'inspirant. Comme ça. J'arrive même plus à dessiner à cause de ça. Ok. Ok. Ça fait planer la musique maintenant. Ben oui. Bonjour, random super-héroïne. Toujours là. Toujours au rendez-vous. Oui. Ben, je préfère qu'on plane plutôt qu'on pète un plomb et que tout le monde s'en aille. Et que moi aussi je me jette par la fenêtre, quoi. Voilà, donc planons ensemble avec Norbert Trembolpied. Norbert, c'est quelqu'un que je pense que c'est un personnage qui va revenir, hein, Norbert Trembolpied. C'est trop beau comme nom pour ne pas être réutilisé. Puis il a un certain charisme, hein, il faut le dire. Voilà, donc là, vous voyez, je fais une espèce de deuxième partie des reflets. C'est-à-dire des reflets à l'arrière du personnage pour lui donner du relief, mais moins prononcés quand même que les reflets jaunes de l'avant. Ça permet de vraiment faire ressortir ces reflets, de leur donner un peu de vie, quoi. En tout cas, il claque ce petit vieux. Eh ben, merci, Crystal Warrior. Claque une bazookate. Je rappelle quand même qu'il a un bazooka accordéon. Hein. C'est pas de la camelote. Ça donne envie d'aller se promener sur une falaise au bord de la plage dans les contrées bretonnes. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ou irlandaise. Je sais pas. Salut Basto!
Salut Hopeless Mole! Par contre, son instrument ne semble ne jouer qu'une seule note. Oui, et quelle note! Une bonne grosse note, mais ce qui est bien, c'est que on peut entendre la musique en entier, donc, mais une seule fois. Une seule fois dans sa vie. Il fait des concerts à usage unique. Du coup, c'est pas très rentable, il a pas forcément percé. Hein. Il a percé des trous, mais pas dans sa carrière. Bref, on peut faire plein de jeux de mots comme ça avec les bazookas. Ne vous en privez pas, surtout. Il a fière allure. Hein. Là, c'est même plus Papy fait de la résistance, et Papy gagne la guerre à lui tout seul. Il n'y a pas de bouton sur le bazook accordéon. Ça pourrait être un titre de chanson. Il n'y a pas de bouton sur le bazook accordéon. Voilà, mais j'invite les. Donc non, il n'y en a pas déjà, c'est pas grave. Mais j'invite les musiciens et les paroliers de ce stream à inventer une chanson. Pas de bouton sur le bazook accordéon. Écoutez, ça me semble pas mal tout ça. Sinon, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est ça. Alors, attention. Alors, on retient produit et 49%. Je parle tout haut pour, mais c'est normal. Je parle aussi tout haut quand je suis seul. Hop, il faut donc produit 49% et là 100%. C'est juste pour pas oublier mes réglages de calque. Voilà, et hop, je le remets en produit à 49%. Voilà. Et là, c'est mieux. C'est bien mieux. On sauvegarde, parce qu'il commence à être un peu gros quand même. Papeye défonce des culs par paquet de 12. Ça aussi, c'est un joli titre de film, mais peut-être plus sur d'autres plateformes de vidéos, quoi. Alors, ensuite, je suis en train de me poser une question. Non, c'est bon. Il n'y a plus de musique. Bah, décidément. Qu'est-ce qui se passe dans ce... Je crois que j'ai la poisse avec moi au niveau des musiques aujourd'hui. C'est incroyable. Ok, donc hop, on va mettre la suivante manuellement, c'est pas grave. Bon, normalement ça devrait fonctionner, écoutez. Super sympa ton dessin. Bonjour Fumikageux et merci beaucoup pour le compliment. On essaye. J'essaie d'en faire un truc bien, ouais. Tiens, un truc que je voulais faire avant que j'oublie aussi, je vais faire une espèce de cadre blanc en fait. Ça permet de contextualiser un dessin comme s'il était sur une feuille et ça. Je sais pas, j'aime bien. Donc en général, ce que je fais. Qu'est-ce que c'est que ce brush là? C'est pas le bon brush. Hop. Voilà. Voilà, ça fait un cadre de dessin et
c'est pas plus mal. Hop là. Donc. Hop. Blanc. Sur quoi allons-nous passer ensuite? Donc là, les ombres, honnêtement, je pense qu'on est bien avancé. Je suis pas sûr que. Je vais peut-être rajouter des ombres jaunes, des reflets jaunes pétants là. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Enfin, je vais voir. Pour moi, c'est déjà pas mal là. Donc, tout regrouper dans les onglets. Ok. On va rajouter quelques reflets ici et là pour en finir quand même. Hop. En particulier de ce côté du bazooka où il n'y en a pas des masses. Ah, c'est pas la même couleur. Ah, mais c'est parce que je suis pas sur le bon calque, forcément. Très belle colo en tout cas, c'est bien de voir les différentes techniques, merci, et oui, bah ouais, c'est toujours marrant, moi j'adore aller voir un peu ce que font les autres aussi, sur Twitch ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais pour en vidéo, pour voir comment chacun utilise un peu les outils, c'est toujours sympa. Voilà, alors j'utilise quel logiciel? C'est Photoshop, Adobe Photoshop, voilà, version CC. Je pense que ce jaune un peu moins pétant sera peut-être mieux en fait. J'utilise que des brushes très nettes, faudrait peut-être que j'en prenne des plus chaotiques, ça donne vraiment un sacré style pour les reflets et les ombres. Oui, bah oui, bah, après faut aussi, voilà, faut réfléchir au placement, mais les brushes très nettes c'est très bien, la seule chose à éviter c'est les brushes floues, avec les contours flous, parce que ça donne un rendu très, très amateur, et en général, hein, à part si tu t'en sers pour faire des espèces de dégradés vraiment bien travaillés, voilà, mais faut éviter quand même les brushes floues. Broche molle, comme on dit. Ouais. Sinon, les broches comme ça, avec du grain, ça rajoute toujours un peu, ouais, un peu de grain, quoi. Ce qui est logique. Ah bah ça y est, la musique change d'elle-même. C'est beau, c'est bien. Tant mieux. Les broches de texture, de volume aussi, oui. Bah, broche de texture, ça dépend, parce que moi, là, ouais, là c'est du grain, de la texture, il n'y a pas trop de texture, la texture ce serait encore autre chose. Genre, j'ai aussi des broches texturées, hein, mais c'est pas la même chose. Et les broches de volume, ouais, je sais pas. Broche de volume, je vois pas trop quel genre de broche tu parles, mais. Peut-être qu'on joue sur les mots, hein, mais. Ok. Oui, ça ajoute de la texture et du volume, oui, tout à fait. Excuse-moi. Après, voilà, c'est un entraînement. Hein, moi, je sais que au début, j'arrivais pas du tout à m'en servir, c'était une horreur. J'ai mis longtemps avant de. Maintenant, je m'amuse bien avec les broches, quoi, mais c'est pas venu tout seul, quoi. Pas hésiter à chercher des références de lumière ou à observer tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand on peut sortir, comment fonctionne la lumière en fait. Il y a vraiment des petites subtilités dans les reflets, et c'est ce genre de choses qu'on peut ne pas attraper au départ, ne pas saisir. Et voilà, petit à petit, on arrive à faire de belles lumières.
bien lire des articles de computer graphics aussi. aussi. Je lis pas, honnêtement, mais si c'est intéressant, s'il y a de la qualité, pourquoi pas. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors, est-ce que les reflets dans les lunettes ne seraient pas plutôt jaunâtres comme ça? Bah oui, ça serait plus logique. Enfin, jaunâtre. On va rajouter un peu de teint de jaunâtre. Mais c'est bien qu'il y ait un peu de bleu aussi, je pense. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ça manque de bleu sur ce dessin. C'est pas grave, des couleurs chaudes, j'en fais pas si souvent que ça. J'ai envie de tester quand même. Voilà, ça y est, j'ai envie de tester le bleu. C'est horrible, hein, parce que ça s'arrête jamais. Et je parle pas de la musique, mais la musique non plus ne s'arrête jamais, visiblement. Est-ce qu'on a encore une boucle sans fin? Oui, tout à fait. Je vais passer tout mon stream à changer la musique à la main, ça va être génial. Alors, je voulais tester une ombre un peu plus bleue pour voir. Et je vais changer la musique parce que je n'aime pas ça. C'est marrant, on dirait que la fonction de playlist ne fonctionne pas sur YouTube. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous, que ça bloque comme ça, parce que bon, bah, moi je fais comme d'habitude, là, et d'habitude ça fonctionne. Voilà, ça a l'air bien ça. C'est le jour de la marmotte, tout à fait. Et non, mais c'est incroyable que YouTube soit en panne comme ça. Si j'avais un problème de connexion, ok, mais apparemment, vu que je suis en train de streamer, je n'ai pas de problème de connexion. Alors j'essaye juste un... Oula. J'essaye juste un petit bleu pour voir. On va pas le mettre comme ça, on va l'obscurcir. Ouais, mais du coup c'est pas la bonne couleur. On teste. Une sorte d'ombre supplémentaire. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très nécessaire. Non, ça ne fonctionne pas. Non, je vais pas l'utiliser. Je vais arrêter ici les tests. Hop là. Au revoir, petit calque. Voilà. Alors. Donc, maintenant que le papy a l'air d'être pas mal avancé, on va passer au nuage après. Je vais juste colorer de cette couleur-là. Il y a un petit trait là qui est encore bleu. Voilà. Hop là, on enregistre. On s'enregistre et c'est parti. On va tester. Alors, j'ai un autre calque là. Très bien. On va essayer de faire des reflets à ces nuages et en fait de créer un effet. Un peu d'explosion quoi, des reflets qui font penser à une explosion. Vous allez voir quoi. On va tester ça. Je re-sauvegarde, on sait jamais. Je suis jamais bien sûr de moi. Voilà. Donc. Le but du jeu, ça va être de donner un peu des. Mais c'est pas vrai, c'est la même musique qui revient, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais fermer cet onglet. Alors, attendez, je règle juste la musique. Je veux comprendre pourquoi ça... Musique, hop. Je réouvre un autre onglet qui va fonctionner, lui, j'espère. Peut-être. Ça n'a pas l'air. Si vous avez un site avec des playlists gratuites, avec des bonnes musiques, je suis preneur parce que là, j'en peux plus. Je n'en peux plus de YouTube. Attendez, je vais fermer carrément la fenêtre et je vais la réouvrir. Une seconde, hein, désolé. J'ai mis une compilation de 10 heures sans le savoir, mais pas du tout. La chaîne YouTube Chilled Cow. Ouais, mais si YouTube veut bien fonctionner, quoi. Voyons voir. Alors, si vous entendez un piou, c'est normal. Quand j'ouvre YouTube, ça tombe sur ma chaîne à moi. Et il y a un piou-piou qui en gêne. Ah non, pas là. Très bien. Alors, on va... Essayez ça, le suspense est complet. Je réessaye d'abord la même playlist, enfin celle que je voulais mettre et qui fonctionnait très bien les autres jours. Et si ça ne fonctionne pas, je tenterai autre chose. Je chanterai moi-même.
Mais non, ça a pas l'air de marcher parce qu'il n'y a rien qui s'affiche autour de l'écran de la playlist, c'est terrible. Tout regarder, si je clique sur tout regarder, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que j'ai pas fait comme ça. Non, écoutez, YouTube ne fonctionne pas, voilà. YouTube est cassé. C'est une radio. La chaîne YouTube Chilkao. Ok, bah écoute, on va prendre cette chaîne-là, je vais te faire confiance. Et voilà, Hip-Hop Radio, ouais. Bon, c'est pas trop l'ambiance d'ici, hein, mais. Bah si, c'est très bien. Voilà. Non, non, c'est pas. Non, YouTube est pas. YouTube fonctionne, mais c'est juste la fonction playlist. Normalement, bah quand on enclenche une playlist, qu'on met tout regarder, il y a tout qui se suit à la suite. Et ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné au dernier stream, les quelques derniers streams, et j'avais pas de problème. Sauf que là, il y a un bug d'affichage, il y a pas tout l'écran qui apparaît. Et YouTube, de toute façon, voilà, met la même liste musique en boucle. Donc. Je vais partir du principe que c'est juste un bug ou peut-être un problème de cache avec Firefox ou une bêtise comme ça et on verra. Je regarderai ça après le stream quoi. J'ai pas envie de m'embêter avec ça ni de vous embêter avec ça honnêtement. Ouais, t'as déjà eu ça toi aussi. Bah ouais, ça. Bon, après ça arrive, hein. C'est pas bien grave, mais bon. Comme depuis mes débuts sur Twitch, j'ai toujours des soucis pour streamer de la musique correctement. J'aimerais bien y arriver un jour sans qu'il y ait de problème technique. Nom de Dieu. Soucis techniques en live, bah oui, ce serait pas drôle sinon. Ce serait pas drôle. Cette couleur ne me convainc pas énormément. Je vais tenter de rougir un peu le trait. Ah, ça va mieux passer, je pense. Peut-être en moins flash. Voilà, ok, ça c'est bon. On a la bonne couleur. Bah, elle est très bien cette chaîne YouTube pour la musique. Bah, écoute ça, je vais me la mettre en favori. Comme ça, pour dépanner, ce sera parfait. Il y avait l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, je ne me souviens plus, qui m'avait dit que le personnage, le vieux, là, ressemblait à Porco Rosso de Miyazaki là. Et du coup, j'ai regardé Porco Rosso en fait, donc j'étais intrigué. Et puis Miyazaki, on me l'a, enfin, c'est quelque chose de valeur. Merci Céline pour le like et sur Facebook et donc bah, j'ai regardé Porco Rosso et c'était très très bien. C'est un de mes préférés, je pense, des Miyazaki. Il est étonnamment terre à terre, c'est rigolo parce que ça parle d'avion, mais pour un Miyazaki, je veux dire, pour lequel j'ai plus l'habitude de voir des films dans des univers complètement fous, là c'est vraiment très, très réaliste quoi. Et je suis vraiment content d'avoir découvert ça, donc je remercie la personne qui m'a conseillé Porco Rosso. Ça va être beaucoup de petits traits là, hein, donc ça va apparaître au fur et à mesure les changements, hein, mais bon, ça peut paraître un peu long, mais c'est comme ça. Alors là, on va essayer plutôt des trucs comme ça.
On va s'endormir avec cette musique, c'est parfait. C'est très bien. On imagine qu'il tire sur quoi du coup? Alors, très bonne question. J'ai envie de dire, trouvez-moi la réponse. Il peut tirer sur le gouvernement. Alors j'avais une idée à un moment donné, enfin, je voulais voir si on pouvait pas lui rajouter une espèce de bulle, une bulle de dialogue, voilà, un phylactère, pour voir ce qu'il pourrait être en train de dire, du style rendez-moi ma retraite ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas quoi. Hein. Mais on pourrait très bien lui faire dire quelque chose pour rendre ça un peu rigolo, quoi. Son proctologue. Mais pourquoi il tirait sur son proctologue? Que lui a fait son proctologue? Quelle est cette sombre histoire? Littéralement. Oui, mais enfin, c'est un peu le métier du proctologue. Enfin, tu le payes pour faire ça. Donc, ce serait bizarre après de lui tirer dessus au bazooka. Fallait pas aller chez lui et payer pour ça. Voyons. Rendez-moi mes couches. Ou un truc du style, moi je vais vous déconfiner, allez tous vous faire déconfiner, ou un truc comme ça. Je parle pour le dialogue du vieux. J'ai dit bingo le premier. Non, non, je choisirai ce que j'ai envie de choisir. Il faut savoir, je le redis, hein, ici ce n'est pas une démocratie, c'est une tyrannie participative. C'est-à-dire que vous participez et c'est moi qui décide. François sur Facebook qui dit magnifique, j'adore, il tire sur les fausses notes. Oui, c'est ça. Il tire sur les fausses notes, plus ou moins. Une tyrannie participative, donc c'est une démocratie. Tout à fait, Starskit. Ne soyons pas cyniques et sarcastiques. Enfin si, soyons-le, mais bon. Attention, c'est mauvais pour la santé de trop l'être. Je le sais, je le suis. Je suis en bonne santé, donc tout va bien. Enfin, je crois. Hop, alors on va en rester là pour les reflets clairs. On va passer aux reflets sombres qui s'appellent donc les ombres. C'est pour ça qu'on leur a donné un nom. Peut-être partir sur un rouge légèrement violacé. Violacé, ça c'est un mot qui est étrange, violacé. Ouais, aujourd'hui je parle tout haut, toutes mes pensées sortent là, pouf, comme ça, sans prévenir. Vous étonnez pas si je dis vraiment des conneries. Ou alors c'est le nouveau test de dépistage, le test gratuit du Covid. C'est ça. C'est pas grave, on entre, nous, tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. D'habitude, on est une petite vingtaine. Là, on est une petite dizaine. Écoutez, c'est intime. Voilà. Ça, c'est un truc que j'adore faire, les effets de fumée. C'est un peu comme les ciels, hein, comme sur le premier dessin qu'on a fait sur Twitch avec le dinosaure, le nain de jardin, le parc-maître et tout ça. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez voir la rediff. Ou sur YouTube, il y a une version accélérée aussi, il y a aussi la rediff. Mais j'adore faire les ciels et les effets de fumée. C'est toujours, je sais pas, c'est vraiment c'est un volume simple en fait à faire un nuage. Et comme c'est simple à faire, c'est vraiment un plaisir de faire ça, quoi. Ça détend. C'est simple et en plus on peut vraiment le modéliser comme on a envie quoi. Merci pour le follow, Chaos. Un pseudo qui va bien avec le dessin que je suis en train de faire. Kayas, il tire sur le.
Sur quoi? On ne saura jamais. Ah, sur le pangolin, non, c'est juste mon. C'est dans ma fenêtre, je voyais pas la suite. Il tire sur le pangolin. Oui, tout à fait. Je sais pas. Parce que finalement, le pangolin n'y est pour rien. C'est celui qui l'a bouffé. Enfin, je crois même que c'est encore un peu plus complexe que ça, l'histoire. Il faut pas diaboliser le pangolin. Lui, il était là, voilà. Il y a quelqu'un qui est venu le bouffer. Et ça a dérapé. Je suis contre la diabolisation des pangolins. Ouais, voilà, c'est le mec qui a bouffé le pangolin. Donc bon. C'est un pauvre pangolin qui avait rien demandé à personne. Ben, je veux dire, mettez-vous à sa place. Imaginez, on vous mange. Bon, du coup, vous êtes mort, vous pouvez plus imaginer. Mais on vous mange et à cause de ça, à cause du fait qu'on vous ait mangé, il y a une pandémie mondiale et des milliers, voire millions, je sais pas, j'ai pas les comptes, mais je crois que c'est plus en centaines de milliers qu'on compte, là, des centaines de milliers de gens qui meurent parce que vous vous êtes fait manger. Oui, il y a l'histoire de chauve-souris aussi, oui. Fallait pas toucher à forêt, oui. D'ailleurs, je ne connais pas le contexte de l'histoire du mec qui a bouffé le pangolin. Est-ce qu'il a mangé un pangolin comme ça à la sauvage, lui-même, préparé lui-même, ou est-ce que c'était un pangolin préparé, je sais pas, dans un resto, où il y a un endroit où on mange du pangolin. Je vous avoue que je suis complètement à l'ouest concernant cette histoire, mais je serais très intéressé de savoir la vérité. On va faire des ombres un peu comme ça. Voilà. Ils ont qu'en Chine, beaucoup d'animaux sauvages sont mangés par la population. Ah bonjour, Yel, les fils qui se touchent. Je ne t'avais pas vu. Sur Facebook donc. Ça va de la chauve-souris au pangolin en passant par le chien. Ouais, d'accord. Non, c'est juste que le foyer initial était dans un marché de viande de brousse et le pangolin semble une des pistes d'explication. D'accord, ok. Donc en fait, on n'est même pas sûr à 100% non plus de ce qui s'est passé, quoi. Vous êtes de vrais reporters. J'aime ça. Ouais, alors on va passer à un troisième niveau d'ombre en suivant. Parce que là, voilà, on a le clair, l'obscur, et on va accentuer tout ça. Ça peut être soit un saut entre animal sauvage trop près d'élevage, marché par les crottes ou autres, soit directement la consommation d'animaux sauvages conservés sur les marchés. D'accord, ok. Je pense qu'on ne saura jamais. Ils vont nous cacher. Bah, merci pour ces explications, Chaos. Bon poulop, je filme et très content d'avoir enfin pu voir un de tes lives. J'en passerai avec grand plaisir.
Des bisous. Mais salut Crystal Warrior, reviens quand tu veux. C'était très sympa de venir aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez suivre Crystal Warrior, qui est aussi un illustrateur, je rappelle, sur les réseaux. Il y en a pas mal qui se baladent dans le chat, des gens qui dessinent. Je n'hésiterai pas à vous faire de la pub sauvagement, parce que c'est fait pour ça, les réseaux. Lâche un lien, écoute. Après, les gens cliqueront dessus ou non, c'est eux qui verront. Lâche ton lien, j'ai pas bloqué les liens. Justement pour ça, pour que les gens puissent un peu montrer ce qu'ils font. Il tire sur une ambulance. Oui, il peut tirer sur. Oui, j'aime bien cette idée aussi. Ça pourrait faire ça pourrait faire une jolie phrase, une petite phrase narrative en bas. Quand Norbert tirait au bazooka, c'était toujours sur l'ambulance. Je garde l'idée dans un coin, il n'est pas impossible que je la garde tout court. On verra, selon mon humeur. Merci à toi Crystal Warrior et merci pour le pour m'aider pour me devoir aider pour la musique. Tu m'as vraiment dépanné sur ce live là. Merci beaucoup. Voilà, je sais. Bon, alors si vous entendez des cris d'enfants qui viennent de mon micro, ne vous inquiétez pas, ce sont c'est dans le jardin de mes voisins. On dirait qu'il y a un gros caprice. Voilà, donc je vais peut-être fermer la fenêtre d'ailleurs. Voilà. Ah, les enfants. Et leur son mélodieux. Ma femme organise un défi dessin sur Insta. Je peux mettre le lien pour ceux que ça intéresse. Bah écoute, tant qu'on y est, mets-le. Bon, après, il faut pas que ça devienne non plus la foire au lien ici, mais vas-y, vas-y, t'inquiète. Au contraire, les défis dessin, ici, on aime bien. Quel genre de défi? Alors François, les enfants sont merveilleux, citation de Jacques Martin, oui, oui. Après je plaisante, de toute façon ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec des gamins. Que j'adorais mon métier, j'étais animateur en centre de loisirs, en colo, tout ça, c'est quelque chose que j'adorais faire. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir les oreilles en sang quand j'entends des enfants pleurer. Il n'y a pas de remède contre ça, il n'y a pas de vaccin là non plus. C'est une épidémie mondiale qu'on n'a toujours pas résolue. Qu'est-ce que. Oula, oula, il y a beaucoup de choses là. Ah oui, Instagram. Lundi, postez un dessin de monstre gentil ou effrayant, de créatures fantastiques ou autres, en vous inspirant d'un mot tiré au sort. Le but est de s'amuser et de développer sa créativité sans pression. Ça, c'est un bon dessin, ça, c'est une bonne idée. Il y a les copains qui tiennent un compte Insta, j'en avais déjà parlé ici, un compte Instagram qui s'appelle Défi et Dessin, ou pareil, chaque début de semaine, je crois, ils choisissent trois mots. Ben, en fait, c'est trois mots, un dessin, bêtement, hein, c'est ce qu'on est en train de faire là. Hein, donc, voilà, ils choisissent trois mots, ils en font un dessin. Et il y a plusieurs dessinateurs donc qui se penchent sur les trois mots. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font, vu que c'est clairement c'est le même exercice qu'on fait nous ici. Mais sur Instagram et par plusieurs dessinateurs en même temps. Et c'est ouvert à la participation. Ils acceptent tout à fait les participations des autres. Donc voilà.
Rappelle-moi le nom, je crois que c'est Défi et Dessin sur Instagram. Au pluriel, il me semble, je crois. Du temps, hein, mais bon. Alors, le dessin, de toute façon, ça prend du temps. On va aussi faire un petit reflet légèrement, légèrement complètement jaune en fait, pour délimiter un peu ce nuage. Sauvegarder hein, parce que j'ai peur que Photoshop plante. C'est pas comme si c'était le premier souci technique ces derniers jours. Merci Vincent Guillaume pour le like. J'espère que tu vas bien Vincent Guillaume. Alors, il y a une histoire autour de Vincent Guillaume, c'est que Vincent Guillaume, quand on participe aux 23h de la BD, avec Monkib, mon partenaire de dessin Monkib, on le tue dans tous nos scénarios. En général, il finit mort dans nos BD. Voilà. C'est un copain, hein, donc il le prend bien, enfin je crois, peut-être. Et voilà, il est décédé dans la plupart de nos BD des 23h BD, des 25h BD. Je suis en train de me faire la réflexion, il n'y a pas de piou dans le dessin. Oui, tout à fait, mais en fait, je pense qu'on va le mettre à la fin, parce que là, en fait, là, comme vous voyez, on est en train de faire la fumée, donc ça prend forme. Quand on aura fini la fumée, excusez-moi, je bafouille. Je pense que je vais faire des débris en fait, des débris qui viennent du hors-champ, qui arrivent par là en ligne en fait, comme ça, des explosions des machins, ça sera pour la plupart des formes noires, voilà. Et parmi ces débris qui volent, il y aura sûrement un piou, je pense, quelque part en arrière-plan, légèrement. Donc je n'oublie pas le piou, enfin je vais essayer. Oui, c'est un peu le Kenny de la BD. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder South Park, puisqu'on évoque Kenny, le personnage de South Park, qui meurt dans beaucoup d'épisodes. Et ben, alors j'ai commencé à le regarder sur Netflix, qui commence à partir de la saison 16. Et dans aucun épisode, je crois qu'il n'y a aucun épisode pour l'instant où il est mort. Donc je suis très déçu. Alors, je sais que normalement, il est censé mourir dans beaucoup d'épisodes. Donc voilà, je crie au scandale, remboursé. C'est pas une série que je regardais avant, je savais que ça existait, c'était rigolo, tout ça, mais... Mais là, voilà, c'était très drôle, sauf je crois que c'est la saison 17, où il y a quelques épisodes, enfin, je suis tombé sur des épisodes qui étaient beaucoup moins drôles que les autres, mais vraiment ça, de manière marquante, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont changé de scénariste ou quoi. C'est dans les premières saisons que Kenny mourait, d'accord. Bon, écoute, d'ailleurs, pour les connaisseurs, quelle saison me conseillez-vous de South Park? Parce que j'ai entendu dire que ça devenait un peu moins bien. Un peu comme les Simpsons récemment, je sais pas du tout si c'est vrai du coup, vu que je suis un peu novice en la matière. Mais si vous avez des saisons particulières à me conseiller ou à partir de laquelle commencer, est-ce que les premières saisons sont encore potables à regarder? Toutes, bah les premières, d'accord. Alors, Random Super-Héroïne me dit, vu que c'est un accordéon, des notes de musique dans les débris. Pourquoi pas, on va voir, je sais pas, on verra, c'est une possibilité. Ce serait presque poétique. Alors bon, je vais devoir retourner bosser, je vous laisse. Eh bien salut Starskit, merci d'être passé. C'est toujours cool de voir des gens passer dans la plupart des streams. Bon travail, bon courage.
Là, on fait un peu de volume hein, sur les nuages. Pas enfin, nuages, la fumée. Ok. Très bien. Bah, elle pète cette fumée. Littéralement. Ok. Je pense que je vais en enlever un peu ici. Voilà. Ok. Bah donc on va commencer les débris. Hein. Faisons les débris. Alors, comment je vais y prendre? Bah je vais faire plein de trucs noirs qui volent. Tout simplement. Je vais appeler un calque débris. C'est un mot que j'aime bien, débris. Il y a des mots comme ça. On va les faire, disons, en rouge très foncé. Un rouleau de PQ qui brûle, pourquoi pas. Il y a un dragon dans l'accordéon, comment ça fonctionne? Alors, c'est très facile. On charge l'obus dans ce côté de l'accordéon. Et ensuite, on saute en l'air, comme il est en train de faire. Et on tire. Et paf! Non, je sais pas. Ah oui, non, mais d'ailleurs, c'est bien que tu me soulignes ça, Chaos, parce que normalement, quand on tire au bazooka, dans les vrais bazookas, il y a aussi un. Comment on dit, un G, un. Une explosion, une marque de tir à l'arrière. Il y a une sorte de truc de propulsion à l'arrière. Donc il va falloir que je le rajoute. Je sais pas si tu as Amazon Prime, mais au cas où, sur Prime Vidéo, il y a toutes les saisons de South Park de 1 à 22. J'ai pas Prime Vidéo, mais je trouverai les moyens de me procurer ça de manière obscure. Et voilà. Très bien. François, très bon dessin, merci pour ce live à très vite. Et bien, merci de passer François sur Facebook, il n'y a aucun souci, à bientôt, à la prochaine. Donc ben, avant de faire les débris, en fait je vais faire ce coup de feu arrière là, je sais pas comment l'appeler, je sais pas comment on l'appelle. La détonation, voilà, une détonation, on va dire. Il faut qu'il soit à peu près. Alors le bazooka il est où? Là c'est la colo du vieux. Non. Là c'est les nuages. Disons qu'on va le mettre sous le calque des nuages. Je vais appeler ça explosion arrière bazooka. Moi, je suis pas expert en bazooka, mais il me semble bien que normalement il y a aussi une espèce de déflagration, une détonation à l'arrière. S'il y a des Bac plus 3 en bazooka, vous pouvez venir infirmer cette chose ou pas. Alors, je sais pas encore comment je vais la faire. Sans un bouton pour le déclencher. Comment ça? Ouais, non mais il fonctionne, c'est un bazooka accordéon, donc il fonctionne, il faut chanter en fait. Faut chanter une chanson, et paf, il se déclenche. Je sais pas, j'en sais rien, j'invente. Il faudrait quelqu'un qui bosse dans. Qui soit un peu scientifique, parce que moi je suis à 0% scientifique. J'ai un bac L. Il faudrait que quelqu'un essaye de trouver un fonctionnement qui serait viable vraiment, vous savez, et qui pourrait réussir à trouver un moyen de faire fonctionner ce bazooka-là. Ah mais oui, mais c'est ça, des petites étincelles, on va en rajouter. Hein. Faut demander à l'agence touriste, tout à fait. Ok, donc là non, et donc il doit y avoir aussi un peu de fumée, j'imagine, derrière. On va la faire, mais plus grisée, je pense.
professeur Xavier des X-Men, il déclenche par la pensée. Ouais, mais du coup, c'est pas pratique à utiliser. Il faut toujours appeler professeur Xavier. Oui, salut Xavier, j'ai mon bazooka accordéon. J'aurais besoin que tu m'aides pour l'enclencher. Ouais, je sais, t'as pas forcément le temps. Enfin, ça serait vite un bazar total. Tu travailles avec une tablette? Oui, tout à fait, je travaille avec une tablette graphique, la Cintiq 12 WX, je crois bien que c'est le modèle exact. Donc voilà, c'est une tablette de 12 pouces, un peu plus petite qu'un 4 pour l'écran. Donc il y a un écran directement dessus. Et je dessine directement sur l'écran. Un jour je vous montrerai en webcam, si vous êtes sage. Alors comme dans la soupe aux choux, on n'arrête pas le progrès, oui. Comme dans la soupe aux choux, il pète, paf, ça déclenche. Ouais. Ouais. D'accord. Je retiens. Mais ce sera pas ça. La soupe aux choux. Quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre intemporel. Vous me direz, je suis même pas sûr de l'avoir vu en entier une fois. Ne juge pas. Oui, tout à fait. Mais je, oui, il est très bien. Il est excellent. C'est le meilleur film du monde entier. Je le regarde tous les matins au petit déjeuner. Voilà. Je ne voudrais pas juger vos pratiques. Ça coûte combien les Cintiq maintenant? Alors, maintenant, je ne sais pas. À l'époque, moi, je sais que celle-là, je l'ai payée 900 euros, je crois, dans ces eaux-là, 940 euros. De tête, mais ça fait quand même quasiment 10 ans que je l'ai. Donc déjà, faut dire ça fonctionne, parce que je l'ai gardé 10 ans et elle fonctionne toujours parfaitement bien. Hein. Elle m'a jamais lâché, pour l'instant. Et donc voilà, à peu près, faut compter honnêtement pour avoir une bonne tablette, voilà, entre une Wacom, hein, pour les Cintiq, faut compter entre 800 et 1200 euros. Maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui, et qui est très bien, c'est qu'il y a d'autres marques qui sont mises, et qui sont très bien aussi. Hein. La marque Huillon, la marque XP Pen, ce sont de bonnes marques. Pour avoir testé, je peux vous dire que c'est bon, c'est très bien. Ou sinon, vous prenez à 1400 euros l'iPad Pro avec son programme Procreate dessus. C'est un peu le truc que j'aimerais avoir un jour, peut-être. Mais pour ça, il faudrait quoi? Des sous-sous. Donc, abonnez-vous! Un bouton Wi-Fi est caché dans la jambe de bois. Clic boum. Ah, mais ça pourrait être ça en fait l'idée. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur là. Le bouchon, enfin le bout de la jambe de bois était censé être un bouchon en liège. Ça, je m'en souviens. Or, il n'a pas de différence de couleur avec le reste de la jambe de bois, donc je vais lui donner une couleur de liège qui, enfin, normalement, on va rien voir, mais voilà, ça va juste faire une teinte différente. Mais voilà, ça permet quand même de varier un peu les teintes. Ok. Ok. Je vais juste préciser un peu la fumée arrière. Enfin, faire 2-3 reflets supplémentaires. Ah, merci Random Super Héroïne pour l'abonnement, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Pour ceux qui s'abonnent, d'ailleurs, je rappelle que dimanche ou samedi, demain ou dimanche, je sais pas, ça va dépendre de mon humeur. Je streamerai encore une fois, comme aujourd'hui, que sur Twitch. Pas sur Facebook, et je ferai les emojis qui sont faits pour les abonnés, donc que vous pourrez utiliser.
En fait, on les fera ensemble. J'ai déjà une idée de ce que ça va être. Et je pense que ceux qui me connaissent savent déjà quel genre d'emoji il va y avoir. Je vous laisse essayer de deviner. Et bah, par contre, pour les détails sur les emojis, on pourra voir ça ensemble. Du coup, abonnés ou pas d'ailleurs. Hein, mais il n'y a que les abonnés qui pourront les utiliser. Voilà. Sachant que quand on s'abonne pour un mois, il y en a un qui est débloqué. Je crois que, et après, il y a trois niveaux d'abonnement. Au deuxième niveau d'abonnement, vous avez les deux premiers. Au troisième niveau, vous avez les trois. Et ensuite, il y aura d'autres emojis personnalisés que je ferai pour d'autres choses, d'autres types de récompenses plus tard. Enfin voilà, petit à petit quoi. Bah oui, des emotes Pew. Bien sûr que ce sera des emotes Pew. Donc ce week-end, on va dessiner des emotes Pew. Mais je sais pas encore lesquels, j'ai peut-être deux, trois idées, mais on va voir ensemble, voilà. Selon ce qui sort comme idée. À la place d'être un débris, le Pew peut être tatoué sur la jambe de bois. Et c'est pas du tout idiot, ça. C'est pas du tout bête. Un peu comme une étiquette. Ouais. Alors faut voir comment je vais incruster ça. On va essayer ça maintenant. Hop là. Alors je vais le faire sur un nouveau calque parce que sinon je vais rester qu'à 35 calques et pas en avoir un 36e, ça serait dommage. C'est pas vrai, j'en ai pas 36, mais je pense que j'en ai une bonne vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, une quinzaine, je pense. Alors, on va choisir la couleur de ce Pew. Voilà, à peu près comme ça. Comment on pourrait le faire? Il serait. Non, là, on le verra pas assez. J'ai envie de le faire dépasser, j'ai pas envie de le faire complètement en entier. Ce serait. Il va être un peu caché. Voilà, ça c'est un piou bien caché. Très bien, moi ça me plaît. Bon, il n'est pas très visible là, mais quand on zoome, on finit par le voir. Je vais peut-être enlever. On va peut-être. Enlever quelques traits d'ancrage là pour voilà comme ça on le voit mieux. Ok alors ensuite. J'ai envie de tester des choses sur l'ancrage. Alors, vous souvenez au début on avait ancré en bleu. Voilà, on avait tout repassé en violet foncé, ça c'est du violet très foncé. Et je vais maintenant atténuer un peu ce violet foncé par certains endroits ou au contraire l'accentuer légèrement pour donner un peu une impression de relief. Là par exemple, ça ne fonctionne pas, voilà. Hop. Voilà, là il y a besoin d'un atténuement. Je pense qu'on va le faire encore plus clair et peut-être plus vers le rouge. Voilà. Il n'y a pas besoin de le faire partout, juste à certains endroits. Alors.
fait, là où les lignes sont claires, là où la couleur est claire, je peux atténuer un peu le trait pour, ben, voilà, pour vraiment incruster l'ancrage plus facilement dans le dessin. J'adore, merci pour l'opio, me dit Yel sur Facebook. Mais écoute, merci à toi de regarder, hein. Moi, je m'amuse toujours à faire ces bêtises-là. Est-ce que je ne ferai pas ça? Non, là, c'est trop clair. Là, c'est trop clair. Et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout petit, hein. Il n'y a pas grand-chose à changer, mais tout est dans le détail. Là, par exemple, je vais le remettre. Voilà. Tout est dans le détail. Ok. Voilà, je trouve qu'il a pas mal de gueule quand même. Sans vouloir me jeter des fleurs. Déchire ce papy, me dit-on. Ouais, et puis là c'est bon, hein. Je pense qu'on est pas loin de la fin. Faut juste que je rajoute quelques effets de débris. Donc, et puis il n'y a même plus besoin de caser le piou, quoi. Alors, parce que là, en l'état, il pourrait être terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros brush. Je vais d'abord faire comme ça. Un gros brush moche. Ah, par contre, il faut que ça passe par-dessus le tir de bazooka. Je réfléchis aussi en ce moment à peut-être créer un serveur Discord. Alors, Discord, c'est vraiment un ovni pour moi. Enfin, je sais très bien comment ça marche, je sais à quoi ça sert, tout ça, je sais m'en servir. Mais pour mon usage en tant que dessinateur sur Internet, j'ai vu qu'il y avait d'autres gens, d'autres dessinateurs qui en avaient un. Ils avaient leur serveur Discord où les gens venaient un peu discuter. Honnêtement, je suis encore en réflexion. Je l'ai créé, hein, il existe, il est là quelque part sur Discord, mais je l'utilise pas pour l'instant. Je sais pas, je me tâte, quoi. Je cherche en quoi ça pourrait apporter quelque chose. Je sais pas ce qu'en font les. Voilà, c'est les utilisations. Je sais pas en quoi ça pourrait être une bonne idée ou une mauvaise idée. Voilà. Si certains ont du vécu là-dedans, ou des exemples de machin à quoi ça pourrait servir, est-ce que vous iriez sur un Discord? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Ou est-ce que ce serait une perte de temps et un réseau de plus à gérer? C'est du temps quand même, tout ça. Je suis très curieux. Après, j'imagine qu'il faut avoir une grosse communauté. C'est peut-être plus simple. Enfin, c'est peut-être plus utile quand on a une grosse communauté à gérer. Et l'autre question que je me pose, c'est l'horaire des streams. Je ne sais pas quelle est l'habitude, la tradition sur Twitch. Je ne sais pas quelle heure il faut streamer pour qu'il y ait le plus de monde possible. Parce que bon, l'idée quand même en streamant, c'est qu'on puisse être plusieurs en même temps. Et je ne sais pas vraiment, voilà, à quelle heure vous regardez des streams.
Je suis en train d'apprendre tout ça aussi. C'est plein de questions comme ça que je me pose. En réalité, c'est assez fascinant. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, hein, découvrir ça. C'est plutôt excitant. Mais voilà, il y a quelques questions comme ça que je me pose. Ok, pour les débris, je pense qu'on est pas mal. Alors, les petites particules comme ça, on peut en rajouter, mais à fond toujours, et ça sera jamais. Ça donnera toujours de la matière au dessin. Mettez des particules. Voilà. Faites un beau dessin. Utilisez des particules. Ok, on va faire 2-3 détails sur ces débris. Pas énormément non plus, mais on va en faire quelques-uns. C'est-à-dire que déjà, on va pas les laisser tout noirs. On va un tout petit peu les éclaircir, mais très très légèrement. Voilà. Je sais même pas si. Si ça marche. Hein. Ah oui, c'est bon, ça fonctionne. Ça, on va encore éclaircir un petit peu. On va faire des tout petits détails. Voilà, quelques-uns, on va pas chercher à aller dans du détail vraiment très précis, hein. C'est juste histoire de donner du relief à ces débris. Pour Discord, ça permet de gérer des discussions annexes et demander des infos ou des liens sur les streams avec beaucoup de followers, surtout pour éviter de surcharger le chat de réponses. Oui, ah bah oui, c'est pas idiot, oui, parce que la dernière fois on en avait parlé des streams, des gros streamers où il y a un chat qui défile à 100 à l'heure, et où bah ça devient même plus agréable de suivre en fait les discussions, ni pour le streamer, ni pour ceux qui sont dans le chat, j'imagine. Mais bon, on n'est pas encore là, ça va. Sur les horaires, ça dépend beaucoup de ta communauté stream. Oui, et puis j'imagine aussi que ça dépend des habitudes que je crée moi-même en streamant. Donc si je reste sur des fins de journée comme ça, enfin des fins de journée, des milieux d'après-midi, fin d'après-midi, les gens s'habitueront et viendront sur les bons horaires. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. On verra avec l'usage. Donc si au bout d'un moment il n'y a plus personne, c'est que je ne fais pas les choses comme il faut. Ou que je propose du contenu complètement pourri, c'est possible aussi. Ça me fait penser aux producteurs de films qui se disent: Ah, mais ce film il n'a pas marché parce qu'on l'a pas sorti au bon moment. Mais non, non, c'est parce que ce film il était très mauvais, très très mauvais. C'est surtout pour ça. Ok. Bah écoutez, alors on va enlever le prénom de Norbert qui gâche un peu le reste là. Voilà. Que faire, que rajouter? Déjà pas mal de choses là. Hein. C'est déjà pas mal, j'ai l'impression. Oh si, je sais, je vais essayer un truc. Alors là, ça y est, on arrive au stade du dessin, le fameux stade où je commence à rajouter des trucs et je ne sais plus où m'arrêter. Mais au bout d'un moment, je m'arrêterai, c'est pas grave. Hop, j'ai bien envie de tester. Alors, ça fait un bon premier plan, un joli avant-plan en fait. Voilà, vous allez voir, parce que je vais pas en rester là. Descendre ça. Au-dessus, on va en mettre un second. Peut-être d'une couleur plus sombre. Voilà.
incrustation, être éclairci. Ambiance. Le problème, c'est que ça cache sa jambe de bois et ça ne me plaît pas. Ah, le second calque est mieux. Second calque est mieux et même de toute façon, tout simplement, non, je sais ce que je vais faire. Ces deux calques dans un même dossier qu'on va appeler fumée de premier plan. Voilà. Et on va tout simplement enlever ce qui ne me plaît pas. On va faire même encore plus simple. On va sélectionner ça. Alors, normalement, vous ne voyez pas la sélection et moi non plus. Voilà. Ah non, ça va pas fonctionner ça. Ça fonctionnerait pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais me lever à la main. Merci pour le like. Papy le 11 mai, quand il sortira, ambiance fumeuse. Merci JB Melmi pour le compliment. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'au niveau dessin, on y est là, ça y est. Et j'ai juste. Est-ce qu'on lui fait dire quelque chose alors? Alors, je vais sauvegarder. Allez, sauvegarde, petit Photoshop. J'ai l'impression que c'est bon. Est-ce qu'on lui fait dire quelque chose? Ça serait bien quand même de lui faire dire quelque chose. Est-ce qu'on va garder l'idée? Je sais pas, il peut dire vive le déconfinement, hein, simplement. J'hésite. C'est un dilemme. Vous pouvez m'aider. Sortez-moi de ce dilemme. Poussez-vous, distanciation sociale. J'aime bien. On peut aussi laisser comme ça, sans dialogue. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un vote. Je vais d'un pas de cabri vers la gestion du stream pour lancer un vote. Voilà. Parce que je suis tout content, je suis comme un gamin. Voilà. Vous êtes 10 spectateurs. C'est pas grave. Alors, créer un nouveau sondage. Question. Avec ou sans parole? Parole et parole. Réponse. Avec. Wow.
j'ai failli faire tomber mon micro, tellement je suis content. Réponse 2, 100. Voilà, vous avez une minute pour répondre. Alors le vote se fait normalement sur le chat hein, de Twitch, a priori, il y a un truc qui a dû s'enclencher. En haut du chat, là, vous avez une petite fenêtre. Enfin, que sur Twitch, hein, sur Facebook, ben, vous n'avez que votre vos yeux pour pleurer. Alors, attention, ça se finit bientôt, le vote. Ben, il est fini, non ? Dictateur de Twitch. Alors, voyons les résultats. Non, vous rigolez. Vous déconnez. Oh les gars, vous m'aidez pas là. Allez, vous êtes 10, il y en a bien un qui peut... Oui, je demande le 50-50, coup de fil à un ami. Du coup, je mets une bulle vide. Je pourrais. Non, aidez-moi. Allez, il y en a 3 ou 4 là qui n'ont pas voté. Il en faut un qui peut départager. Le prochain vote, je choisis celui-là. Et moi, je vote pas. Ah, c'est vrai que je peux voter. Tiens. Ouais, mais non, je veux pas. Je voudrais pas. Là, du coup, ça serait hyper arbitraire. Si je vous demande de voter, c'est pas pour que je décide moi, finalement. Je suis dans un grand dilemme et vous me rajoutez encore du doute. Vous êtes vraiment, vraiment des bourreaux. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, on va le laisser comme ça. Hein. Parce que moi, si vous me laissez décider, c'est la flemme qui l'emporte. Hein. Ouais, écoutez, je sais. On va marquer quelque chose. Et si ça nous plaît pas, on l'enlève. On fait ça. Voilà mon vote. Ben dis donc, le premier sondage est très réussi. Alors, hop, on va faire un nouveau calque de vote. Voilà, tyrannie participative, exactement, ça c'en est la meilleure illustration. Hop. Alors, la bulle. Oui, d'où l'utilité des calques. Merci pour le like, Jiomura. Alors, je pense que si je fais une bulle, elle sera ici. Histoire de pas trop casser la cadence du dessin. La dynamique. Même plus grande. Hop. Voilà. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait dit? Distanciation sociale, un truc du genre. Poussez-vous, distanciation sociale. J'aime bien ça, donc on va faire ça. Alors, comment on fait un phylactère? Alors déjà, il faut connaître le mot phylactère, qui est un très joli mot. Et ensuite, c'est très simple. On prend son stylet et on fait d'abord un essai. Un phylactère, c'est le nom scientifique pour dire bulle de BD en fait. Voilà, on dit phylactère. Alors déjà, c'est trop grand. Ça gâche tout la bulle. Mais alors ça, c'est vrai et c'est faux en fait. Si j'avais fait la bulle dès le départ, t'aurais pas dit que ça gâche tout en fait. C'est ça le truc. C'est un constant dilemme en fait en BD, de faire un dessin et après de faire les bulles et on se dit ah bah non quand même, ça va cacher ça.
C'est pas forcément vrai, c'est juste que là vous aviez vu le dessin et du coup bah, de voir un truc de devant, ouais, ça peut décevoir ceux qui ont vu le dessin sans. Mais si on montre le dessin bah, à des gens qui n'avaient pas du tout vu la première version, bah, ils feront même pas la remarque, je pense. Ils diront ah, voilà. On va voir, de toute façon, si ça nous plaît pas, au pire, on enlèvera. Hein. Mais il vaut mieux tester. Dans la vie, il faut tester les choses avant de les rejeter violemment et ne plus jamais y toucher. Alors, distant. Alors, c'est là qu'on va pouvoir faire un second vote, qui va, je l'espère, fonctionner cette fois. Merci, j'ai pas vu sûrement un like, mais merci à la personne qui a liké. Voilà, alors, on refait un vote, comme j'adore faire les votes maintenant. On va faire un nouveau sondage. Moi, ça me permet surtout d'expérimenter un peu et de m'habituer à faire ça rapidement. Enfin, rapidement, relative, c'est relatif, mais voilà. On commence le sondage. Hop, allez, j'ai relancé un sondage. Je vous laisse. On redécide du coup si on la garde ou pas, la bulle. Et cette fois-ci, je vous laisse vraiment décider. Voilà. Merci Chaos. Merci, merci. Merci pour le follow, Nick Roquel. Alors, on en est où dans les votes? Bon, ben, la plupart disent avec. Et ben, donc, on va la garder. Voilà. Très bien. Désolé pour les trois qui ont voté sans. C'est la loi. C'est la loi d'ici. On garde la bulle. Et il manque une toute dernière chose au dessin. Là, c'est pas pour abuser. Mais il manque une chose. Qui va trouver ce qu'il manque avant que je le fasse? Un truc très important qu'il faut mettre dans tous les dessins. La signature, tout à fait. Merci Cricket. Alors pour tout dire, j'ai mis longtemps avant de me professionnaliser dans le dessin, avant de mettre mes signatures, même sur Internet, je sais pas, je me disais que ouais, mais non, c'est bon, je suis pas là pour m'afficher. Et en fait, c'était idiot. C'est idiot. Faut juste le mettre. Faut juste le faire. On va la mettre là, je pense. C'est très bien. Pas trop visible non plus. Comme ça c'est pas mal. Et voilà. Voilà, j'ai eu un autre. Merci Cricket pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue. Ici, on rigole bien. Bah, vous arrivez un peu sur la fin du live, voilà, parce que bah, le dessin est terminé. Et que je vais pas en commencer un autre aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est bon, hein, ça m'a l'air terminé tout ça. Sauf si... Ah attendez, ah, je veux voir un truc. Je vais essayer un truc. Attendez, partez pas. Restez, c'est pas fini. Je veux tester un truc. Hop, on va tester ça. Ah ben voilà, bien sûr qu'il manquait ça. Comment j'ai pu ne pas penser à mettre ça? Alors attendez, hein, c'est pas, on va l'atténuer après, hein, on va pas le laisser aussi foncé. Mais voilà, une petite ombre comme ça, c'est très bien.
Léger. Drix PTB, vivement la souris verte. Ah ben, je te le fais pas dire, moi j'ai deux cartons remplis qui traînent chez moi, que j'attends de vous envoyer avec impatience, parce qu'en plus j'ai déjà fait tous les dessins, toutes les dédicaces, tous les trucs, tout est prêt, hein, il n'y a plus qu'à mettre dans l'enveloppe et envoyer. Faut aussi que j'aille voir la poste. Et en fait, c'est ça qui va jouer surtout, c'est-à-dire que là, la semaine prochaine, puisque c'est le déconfinement, j'irai à la poste et je verrai avec eux comment gérer l'envoi de tous les livres. Pour que ça se passe bien, pour pas que je crée des bouchons à la poste vu que j'ai 70 envois à faire. Et voilà. À l'arrière aussi, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci de m'avoir dit explosion arrière. Ok. Voilà, donc pour ceux qui ont commandé le livre La Souris Verte, vous inquiétez pas, ils ne resteront pas chez moi parce que ça prend de la place de toute façon. Et peut-être parce que vous l'avez payé aussi, c'est une bonne raison de le recevoir. Et pourquoi ça ne change pas? Qu'est-ce qui se passe? Suis pas sur le bon calque. Mais voilà, je vous les enverrai dès que possible, mais sans, enfin, voilà, sans que ça crée. Je vais essayer de ne pas choper le Covid en même temps, quoi. Si ça vous dérange pas. Ok. C'est vrai que ce virus est mal tombé. Très mal. De toute façon, je vois pas comment un virus pourrait bien tomber. Mais... Voilà. Bon, allez, hop, je pose le stylet. Je le pose, ce stylet. Stop. Stop, pull up. Ok, donc nous avons fait un dessin en 16 neuvième, donc un format qui ne passera pas du tout sur Instagram, c'est parfait. C'est nickel. Et voilà. Mais c'est très bien, je suis content, ça me plaît. Si ça vous plaît, on est bon. Quelle heure il est? On a fait un stream de moins de 2 heures. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut l'adapter à l'écran là? Voilà. Bon, on va dire que c'est adapté. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup hein, pour vos compliments. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais en rester là pour ce dessin. Je le publierai sur les réseaux probablement demain. Ou peut-être dimanche matin, parce que le samedi, il n'y a pas grand monde sur les réseaux. Quoique en ce moment, il doit y avoir tout le monde finalement. Mais je mettrai peut-être dimanche matin pour annoncer d'ailleurs le stream de dimanche. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas quand je vais streamer. Donc je rappelle les petites annonces pour les streams à venir. Donc le prochain stream, ce sera encore une fois soit demain, soit dimanche, soit les deux. Et on fera des smileys pour les gens qui s'abonnent, les abonnements, hein, pas les follow. Merci pour le follow, The Fairy Legend. T'arrives sur la fin du stream là, je vais bientôt m'en aller d'ici quelques minutes là, quelques secondes même. Voilà, donc on fera des smiley pew, des pew smiley, on en fera 3 pour commencer, peut-être plus parce que je sais qu'il y a d'autres options sur Twitch pour avoir des emojis, donc je vais voir ça. Au moins 3 donc. Donc ce sera assez rapide, hein, ce ne sera pas un long stream, ce week-end ça va être des streams courts. Et la semaine prochaine, un horaire particulier. Alors si je stream demain ou dimanche, ce sera je pense à 15h, comme aujourd'hui. Voilà. Et de toute façon, je mettrai un panneau sur ma page Twitch. Quand je suis déconnecté, il y a un panneau, un dessin, quoi. Et normalement, je marque l'horaire du prochain stream, quand c'est pas en train d'héberger une autre chaîne. Voilà. Et à partir de lundi, si tout va bien, je ferai... Tous les jours à 17h pendant 2 heures, une bande dessinée participative, donc où c'est vous, les gens qui viennent voir, là, c'est vous qui viendrez la faire avec moi. C'est-à-dire que c'est vous qui trouverez, enfin, ensemble en fait, on trouvera les idées ensemble, on va partir de la page blanche totale et on essaiera de créer une BD de, je sais pas, entre 50 et 60 cases, ou enfin en gros 10 pages quoi, grand max, une histoire. On essaiera de faire une histoire cohérente, je vous montrerai comme un peu les façons de créer une histoire, de faire une BD, de travailler les transitions entre les cases. La narration, ce genre de choses, du coup, on fera ça ensemble, ce sera l'occasion de faire un bon truc bien participatif, bien interactif, comme je les aime. Et voilà. Donc voilà, je vous dis soit demain, soit dimanche. Si vous voulez savoir quand ce sera, je préviendrai de toute façon sur Instagram en story. Ici, il faudra regarder le panneau, vous vous connectez à la chaîne et il y aura un panneau qui indiquera l'heure. Donc soit demain à partir de 15h, soit dimanche à partir de 15h pour les petits piou-piou, les emojis piou-piou.
Voilà, la bande dessinée en tyrannie participative. Ah, Boris DLH lance un raid avec un groupe de 7. Ben, merci beaucoup, Boris DLH, mais je vais m'en aller. C'est très gentil. Ouais, moi aussi, je pourrais lancer des raids. Un raid sur Twitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de, à la fin du live, on va tous sur une autre chaîne, qui est dans ma liste de chaînes que j'aime bien. Et donc, je vais regarder là si j'ai des gens qui sont en ligne, si jamais vous voulez suivre un autre... Eh ben, très bien. On va lancer un raid sur Soskuld. Soskuld, c'est une dessinatrice. Pareil, une illustratrice qui illustre, en fait. Donc, on va tous chez elle, ceux qui veulent. Ceux qui veulent pas, vous pourrez rester là. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, tout le monde. À demain, pour ceux qui viennent, ou à dimanche. Et voilà, je vous laisse avec Soskuld parce que elle fait des choses bien. Voilà. Allez, ciao tout le monde !